Cette guerre, nous ne l'avons pas voulu, mais nous devons la faire. La 36e. Monsieur le lieutenant Genevois. Capitaine Rive, vous pouvez rejoindre vos hommes. Garde-vous. En voiture, direction Verdun, Metz, Sarrebruck, Francfort. Sous lieutenant Porchon, comment tu vois la situation? Préoccupante. En fait, on recule. Allez, on se replie. Tu vas faire avec tout ça? Ça peut toujours servir, figure-toi. Et je reviendrai le chercher après la guerre. Maurice, Lucien. T'as eu des nouvelles? Non. Si on allait leur rendre une visite? À qui? À Maurice ou à Lucien? Aux deux. Mais c'est dangereux, non? Peut-être, oui. Plein volonté! Et des bouches partout! Connais! Messieurs, les nouvelles ne sont pas bonnes. Le front craque en plusieurs endroits. On se replie. C'est ça! Tu me tirais, hein? Téléphone pas, monsieur! Allez, téléphone pas, monsieur! On nous demande d'exercer une pression constante sur l'ennemi. On avance, on creuse une tranchée, on prend la tranchée adverse, et ainsi de suite. Pompon, ton gros moustache gelé! Oh merde, leur v'là! Si ils se mettent à ressusciter, on a pas fini! C'est chacune de mes filles qui a choisi une couleur. 5? Bah, c'est dommage, avec 6, tu restais chez toi. Oui, je sais. J'ai essayé avant de partir. Vous êtes dans la boîte. Pas mal, la photographe, tu ne trouves pas? En somme, tu le trouves toute mignonne. Eh oui, parce que j'ai des yeux pour voir. Mais où voulez-vous jouer? Devant les armées, près du fond, monsieur. Où c'est qu'on va encore? Un village du côté de Combes. Il paraît que c'est tranquille. Comment ça s'appelle? Les Épaves. Je comprends pourquoi qu'on fortifie en bas si c'est nous qu'on grimpe là-haut. J'ai raison, non? Ça sert à rien, la deuxième ligne. Oh, oh, les gars! Il y a une huile qui vient inspecter. Si ça lui plaît, il y aura du bon. Ah, bah, fallait le dire. Et voilà, toujours pareil. Dès qu'on veut travailler, on interrompt. Allez, reculez! Recule! C'est ce crétin de là derrière. C'est lui qui bloque l'avancement de Rive. Tu sais d'où il arrive? Non. De Dieu. De Somme sur la Dieu. L'envoyé de Dieu. Le Messie. Mon colonel. Bonjour, Rive. Porchon et Genevois vont nous guider. Je crois qu'ils nous ont préparé un petit parcours. Faites attention, hein, c'est le Bourbier. Évidemment. Messieurs, allons-y, marchons, marchons. Montrez-moi ce que vous avez fait. Par ici, colonel. Non, par là. On va peut-être éviter ce passage. Non, je vais tout voir. À la guerre, le moindre détail compte et je suis intraitable sur les détails. Marchons, marchons. Ça, quel bordel! Quel bordel! Attention, mon colonel. Ah! La main, mon colonel. Allons-y, marchons. Montrez-moi la suite. Ah, oh, tiens. Cravache. Allez, allez, allez. Oh. Avec la main, mon colonel. Non, merci. Fusil. Ah, vous voudrez bien veiller aux plaques de couche. Avec cette manie qu'ont les hommes de poser leurs fusils à même la boue, elles sont abominablement rouillées. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas aux normes, faut consolider. C'est en cours, colonel, on n'a pas tout à fait fini. Eh bien, finissez vite si vous ne voulez pas vous retrouver tout à fait mort. Ça va, colonel? Ça va? Ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Marchons! Marchons. Marchons. Bordel. Ça, ça et ça, c'est pas aux normes non plus. Conclusion, messieurs.
Vous avez intérêt à remédier à tout cela avant ma prochaine visite. Je ne vous salue pas. Marmite ! Je serai intraitable sur les détails. Le Messie est descendu sur Terre, alléluia. Le tir était mal ajusté, il s'est retrouvé au sous-sol. Ça va ? Non, en marchant, en marchant. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Bon, messieurs, on retourne à l'arrière. Cantonnement à Bellerue. Bonjour, madame. Oui. Est-ce que vous nous permettez d'occuper la grange ? Je suppose que je peux pas vous l'interdire, mais faudra rien abîmer. Je sais ce que c'est, les soldats. Ils vous défendent, madame. Ils défendent la France. La France m'en a déjà pris deux. Désolée, madame. La France. Allez-y. Merci, madame. Demain, vaccin contre la typhoïde pour tout le monde. Sauf Panchon. Pourquoi pas Panchon ? Parce que moi, je l'ai déjà eu. Ça fait mal ? Tu verras bien. Mais non, ça fait pas mal. Aïe ! Eh, ça fait mal ? Dis donc, ça fait mal ? Ça fait mal ? Moi, j'ai connu un mec qui en est mort. Il n'y avait rien, on l'a vacciné, crevé la gueule ouverte, disons. Arrête. Aïe. J'aime pas trop voir ça, moi. Et là, Martin, tu vas pas nous tourner de l'œil, non? Non, oui, qu'est-ce que tu crois? Je me pose un peu, là. Voilà. Oh, oh, les gars, il y a Martin qui se rend mal, là. Infirmière. Oh, brancardier. Brancardier. Infirmière. J'étais au ciseau, je lui faisais un tour d'oreille. Soigné, clac, clac, clac. Je me recule pour lui présenter le miroir, et là, bam, il y a la main qui pète. Il a tout pris, moi j'ai rien. Même le miroir, il a rien. Comment c'est possible que j'ai rien? J'ai vraiment rien, les gars. J'ai vraiment rien. Comment c'est possible? Ouais. Bah pour le miroir, c'est normal, il réfléchit. Et toi, t'as eu du cul, Lyon. L'infirmière peut pas continuer, c'est moi qui pique. Ah, non. Vous avez déjà fait ça, sergent? Bien sûr, dans la classe, on s'entraînait sur des patates. Comment ça, sur des patates? Bah ouais, tu vas voir, y a pas mieux pour te redonner un temps de toi. Ça va pas, non? Mais non, les ordres comme ça, tu sautes, tu peux te la mettre, mon vieux, hein. Allez-y, sergent. Piquez. Bon, hé, si tu me rases, tu me fais arrêt. Bah ouais. Quartier libre cet après-midi. Tu veux venir avec vous? Oh! On va à Verdun? À Verdun? Ah oui, quelle bonne idée. Cherfeuille, c'est à toi. Non, mais il y a Martin, il voudrait passer avant moi. Vas-y, Martin. J'ai repéré un coin avec Revis. Des belles pattes blanches. Je m'y connais, tu peux me croire? J'y allais avec mon paternel quand j'étais petit. Et si je te le dis, c'est lui qui m'a appris. On m'a tout appris d'ailleurs. Quand j'ai pas connu longtemps. Il est mort ton père? Non. Papa. Il est parti. Ah, je peux pas comprendre qu'un père abandonne ses enfants. Il a abandonné ma mère. Pas moi ni mon frangin. Kiff, kiff.
Comment tu les assaisonnes? Avec de la merde. Comme ça. Pas besoin de nas. Je les attrape à la main. Et moi, je peux venir, moi. Avec une petite sauce à l'échalote, un peu de crème fraîche et un petit coup de muscadet. Ça vous dit? Oui, devine. Bon, alors on y va. Ah, Lucette, vous avez fixé pour l'éternité la quintessence de l'héroïsme gaulois. L'avenir de la France, les deux mamelles glorieuses de la victoire. Mamelle Porchon, mamelle Genevois. Nous vous attribuons une prime exceptionnelle d'une bille sur la joue. Chacun, ce qui fait deux. Mamelle Porchon, à vous. Imbécile. Mamelle Genevois, à moi. J'en vois une! Doucement! C'est moi qui l'ai! C'est moi qui l'ai! C'est moi qui l'ai! Elle est à moi! Quoi? Mais non, c'est moi! C'est moi, c'est moi. Allez, qui l'ai! Rends-lui son écrevisse! Je vois pas pourquoi! Oh, tu lui rends son écrevisse? Tiens! Allez! Elles sont là, il y en a plein! Mais c'est là-dedans! Tu les vois les échalotes là? Le petit muscadet? Oh, tais-toi, tais-toi! C'est pas possible. Saloperie de boche. Ah, cochon. Oh, les ordures. Les bottes couilles. Voleur d'écrevisse. Tronche de nœud. Salopard. Salaud de boche. Au moins, ils nous ont pas flingués. Ouais, il y en a peut-être encore, non, des écrevisses. Milo. Petite sauce à quoi, tu disais? Madame, ce serait juste pour goûter. Ça sent tellement bon, votre ragoût. Quel ragoût? J'ai pas ce que vous me demandez. Et même si j'en avais, ça serait 6 sous pour une platée. J'ai de quoi vous payer, mais 6 sous, c'est trop cher. Après, il me faut pour le tabac. Je vous demande pas beaucoup, j'ai très faim. Je vous donne 2 sous. J'ai pas ce que vous demandez. Mais si, tonnerre! 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 Foutre-camp! Tonnerre! J'ai honte, mon lieutenant. J'ai honte. J'ai toujours faim, c'est pour ça que je sais pas ce qui m'a pris. Après,
présenter vos excuses à Madame Joubert. Le soldat Cerfeuil vous présente ses excuses, madame. Et en tant que son supérieur, je vous présente celle de l'armée française. Allez. Je m'excuse. Je m'excuse. Le grand quartier général est préoccupé par le saillant de Saint-Mihiel et veut pouvoir surveiller les arrières allemands dans la plaine de la Woëvre. D'autre part, si on attaque sur les éparges, ça contraindra les Allemands à y ramener des troupes et du même coup, on soulagera la pression sur les armées de Lorraine. À mon signal, on s'engage dans la sape. On monte d'une traite et silencieusement jusqu'à la première ligne. Espace de 3 mètres. Arrivé là-haut, on reste planqué. Pas un mot. Pas un bruit. Et on attend les ordres. Si ça canarde, on ne réplique pas. On s'enterre et on ne bouge plus. Je comprends toujours pas pourquoi il faut monter là-haut. On n'a qu'à passer sur le côté. C'est con que tu sois pas général. Je suis général. En avant ! Un par un ! On avance ! On va attaquer à la fin. Mais ouais, qu'on va attaquer, tu vois. Qu'est-ce qu'on attend, là ? Qu'est-ce qu'on va attaquer ? Je sais pas, calme-toi. Je suis calme. Ça fait 5 heures qu'on attend. Kawa. Ah, c'est pas trop tôt. Ouais, Kawa. Ils ont pas dégoté, hein. Plus qu'ils t'en mettent, plus tu vas déguster. Bon, on descend. Et ça, on va te mettre à l'abri. Et pourquoi tu dis ça? Les obus sont pareils pour tout le monde, hein. T'en fais pas, il a dit ça comme ça. Kawa! Tout est vide. Tout ce qui remplit le monde d'ordinaire, ce flux de sensations, de pensées, de souvenirs que charrie chaque seconde de temps. Il n'y a plus rien.
Le monde est vide. Tenez-vous prêts. On compte sur vous, hein. N'engagez pas les premiers. Et attention à nos hommes. Ce fut d'abord une partie de plaisir. En avant ! Tu restes derrière, en circule. Devant. Au cas où ça refluerait. C'est un ordre. Ici. Où ils sont ? Non, c'est coquin ici. Ils ont peut-être laissé de la bouffe. Eh, c'est bien foutu ici, hein. Ça vient de chez nous. C'est nos 75 qui nous tirent dessus, tout à l'heure. On va la choper. Oh, putain. Reviens, reviens. Qui ah, je viens de faire le tir. Comme ta gueule. Il faut se tirer. Ta gueule. Reste pas ça, tu prends ça. Là. Notre artillerie nous canarde. Ils sont prévenus. Ça va s'arrêter, rassurez-vous. Venez regarder ça. Un prisonnier. Il est du 8e Bavarois. Vous voyez ça, ils en sont à nous opposer des gamins. Vous entendez? Je vous l'avais dit. Vous en voulez? Alors, les Boches? Ils attendent. Sarfaï, arrête de ruminer. Arrête de trembler. Je tremble pas. Pousse-toi un peu. Mais je peux pas, regarde.
moi j'avais tenu. Alors allons de l'avant. D'accord. Ça sert à rien de rester ici, on grimpe. Allez, debout. On sera mieux là-haut. Payez ma boule. Sergent, allons-y. Je peux pas, j'ai la fièvre. Je reste avec le sergent. Je l'amène au poste de secours. D'accord. Écoute, avec toi. C'est pas ton sang. J'ai rien. J'ai rien. Mes mères. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes mères? Ils ont tué mes mères. Ça y est, les gars, on est où? On l'a fait. Attention. Dans le sac. On peut pas rester. T'as raison. Ah, allez, touché. C'est un autre gars qui lui a scié dessus comme un cochon. On n'a plus de mitrailleuse. Où sont les autres? Pourquoi êtes-vous redescendu? Vous avez reçu l'ordre de redescendre. Remontez immédiatement. Vous allez passer en commercial, vous m'entendez? Arrête-toi, toi. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Remontez. C'est un ordre. Vous n'avez pas honte. On est chien. Ça va aller, mon vieux. Ça va aller. Chercher les autres.
viens te chercher. Je te promets. Il est en plein délire. Il en a pour 24 heures. Compagnie de Stormer, prête. Prête à quoi? Attaquer. C'est pas possible, vous devez vous tromper. Non, mon lieutenant. La compagnie n'a pas tenu la position conquise. Ce sont les mêmes qui repartiront. Demain, 15h, nous attaquons de nouveau. Pas de relève. On vous livrera une nouvelle mitrailleuse. Levez la mitrailleuse, vous nous l'amenez à dos d'homme. Mais on en aura peut-être pas besoin, ce sera peut-être déjà fini. Oui, j'espère que non. Une machine toute neuve, je peux l'essayer, moi. Ça va jamais finir. Ça va finir, comment finir par y rester? Ta gueule, vous. Mais ouais, ta gueule. Tiens, tu portes la guigne. Oh, tu veux un truc, une coccinelle, Martin? Allez, pousse-toi un peu, mon bonne, que je respire là, avant d'y passer. Oh, mais de quoi tu te plains? Je te protège. C'est l'heure. Debout, en ligne! Baïonnette sur le canon! Carita, à côté de moi! On est bon! Signalez notre position.
personne ici. Sur une crête à l'aise sous un fagnon rouge. Ils viennent de nous repérer. Martin, Martin, c'est bon. Descends, descends. Position, compris. En position de défense. Restez à couvert. On tient. Je suis résurrection, je l'ai eu. Allez, allez, allez.
reste là. Et Bill Auray ? Je sais pas, il était là. On bouge là, t'as des loutards ! Arrêtez, arrêtez ! À la soupe ! Allez, tiens, Martin. Allez, allez, hop, 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 les moineaux. Là, ça fait. Goûte ça. Allez, goûte. Si j'ai pas. C'est des beignets à la pomme, une recette à ma mère. Allez, allez, hop, 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 les moineaux. Vous descendrez pour les consignes. Et vous plaignez pas que je grimpe jusqu'ici avec mon ongle incarné. Ouais, oh. Non, faut pas. Et moi, je veux bien. Non. Je peux. Ouais. Bon, ben, faut y aller. Il y a du boulot. Allez, les gars. La position, on l'a tenue et on la tiendra. Martin, t'es un brave, toi. Tu tiens la position coûte que coûte, t'es d'accord? Vous êtes tous des braves. Tous des braves. Mon beau cerfeuil. T'inquiète pas. Quand on redescendra, tu retrouveras l'appétit. Et on fera un bon gueuleton, juré. Oui, bon, lieutenant. Ah, Caleta. Caleta. Demain, on attaque, hein? On attaque les grands auteurs. On va faire un peu de Vigny. On les aura. On la tient, la position. On la tient. Hein? On la tient. On la tient, la position. Mais où voulez-vous jouer? Devant les armées, près du front, monsieur. C'est trop compliqué. Et quel intérêt? En plus, près du front, c'est dangereux, non? Mais non, un acte patriotique. Plutôt que de rester là, bien au chaud à l'arrière. Et puis, quelle réclame pour la pièce? Pour nous, pour tous, pour vous. Lorsque la Grèce est un champ de carnage, lorsqu'on immole les maris, immole-toi, immole-toi. Vas-y, Rose. Mais je peux pas tirer dans le tas. Oui, le temps. Swem, qu'est-ce que vous faites là? Ça va maintenant. Laisse-moi devant. Je reviens. Maintenant que les brancardiers sont venus et qu'ils les ont emmenés un à un dans les toiles de tente, maintenant que j'ai serré une à une leurs pauvres mains fiévreuses et glacées, je jure que tout m'est bien égal. Ce n'est pas de ma faute
Cette indifférence est sur moi. Tombée sur moi, je ne sais d'où. Mais tangible et réelle comme des bras qui m'envelopperaient. D'avance, quoi que je fasse ou qu'il arrive, cette journée ne m'étonnera plus. Tout m'est égal. Mon cher Genevois, je vous remercie de votre lettre qui m'a beaucoup ému, bouleversé même. Je me permets de vous encourager à écrire, à dire cette guerre dans laquelle vous avez été jeté avec votre génération, à en dire les grandeurs, à témoigner des souffrances infinies qu'elle génère. Le talent d'écriture que vous manifestez vous en fait en quelque sorte obligation. Bon lieutenant, tenez-vous prêts. Nous sommes prêts. C'est la relève, les gars. C'est quoi encore, ça? C'est nous.